Par défaut, Adobe Premier Élément s'ouvre sur un écran de bienvenue. Cet écran de bienvenue vous permet de choisir entre l'organiseur ou l'éditeur de vidéo. Quand on prend une petite expérience de ce logiciel, il est parfois inutile d'avoir l'écran de bienvenue et on choisit de passer directement à l'éditeur vidéo, par exemple. Au prochain lancement de Adobe Premier Élément, l'éditeur vidéo s'ouvrira directement. À l'ouverture du logiciel, nous remarquons le graphisme de ce logiciel. Une partie est réservée à la visualisation des films que vous allez monter. Et la deuxième partie vous permet d'avoir des pistes, une piste vidéo associée à une piste audio, voire même une deuxième piste vidéo, une troisième piste vidéo, et vous pouvez même créer d'autres pistes vidéo qui peuvent se positionner à la suite de la première piste ou sur la même piste pour combiner plusieurs éléments de film ou de photo. On a aussi une piste commentaire et une piste audio pour, par exemple, importer une musique de fond. Alors, si on veut ajouter des médias, c'est-à-dire des films ou des photos, on va cliquer sur « Ajouter médias ». Si on préfère utiliser la barre des menus, on peut faire « Fichier », « Ajouter un média » de la même manière. Revenons au plus simple, « Ajouter un média ». On va donc ajouter en partant de Caméscope éventuellement, mais on peut aussi ajouter, et c'est ce que nous allons faire, en partant d'un fichier ou d'un dossier sur l'ordinateur. Alors, nous allons prendre des morceaux de films qui sont différents. Ici, on a un fichier en AVI, ici, on a un fichier en MPEG, ici, on a un fichier en PAL DVD. On va choisir, par exemple, on va d'abord sélectionner les trois et les importer tous les trois. Voilà, ils sont importés tous les trois. Maintenant, nous allons en choisir un seul et le mettre sur notre piste. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que par défaut, le réglage va être en fonction du premier film que l'on aura déposé sur la piste. Qu'est-ce que c'est que le réglage? On fait édition, réglage du projet, généraux. Bien entendu, tous ces réglages, on les verra par la suite. Simplement ici, ce qui est à noter, c'est que par défaut, le réglage du projet s'est fait en fonction du film que l'on a déposé sur la piste. Ici, par exemple, le mode de montage est DVPAL. On va répondre OK. On va ajouter un deuxième film à la suite, qui pourtant n'est pas en AVI. Si on fait édition, réglage du projet, on est bien resté en DVPAL. On va supprimer donc ces deux éléments qu'on vient d'installer. Et on va faire l'inverse. On va partir du premier film qui est en MPEG et je vais mettre à la suite le film qui est en DVAVI. Si je retourne sur édition, réglage du projet, vous voyez que par défaut, je ne suis plus en DV, je suis en HD. Nous allons faire maintenant un petit tour d'horizon des possibilités de ce logiciel. Alors déjà, j'ai choisi le mode expert. On aurait pu choisir un mode rapide qui nous aurait enlevé un certain nombre de fonctions, mais aurait simplifié la tâche. En principe, c'est le mode expert qui sera choisi. On dispose d'une barre de travail qui s'appelle la barre des temps, dans laquelle un curseur se déplace et permet de venir repérer ou positionner les différents films ou photos que l'on désire mettre sur cette piste vidéo pour réaliser le film complet. On a aussi la possibilité d'avoir un rendu, c'est-à-dire une visualisation des objets qui ont été déposés, plus ou moins importants.
on peut réduire ou augmenter. Déjà tout de suite, avec cette barre, on va noter que l'on peut couper une partie du film qui ne nous intéresse pas. On positionne cette barre, on vient sur le petit ciseau qui est représenté ici, on fait un clic de manière à couper le film déposé sur la piste. On déplace cette barre d'étang jusqu'au positionnement qui correspond à ce que l'on veut supprimer, c'est-à-dire cette zone par exemple. On refait la même opération. On sélectionne le petit morceau donc, de film compris entre les deux coupes qu'on vient de faire. On appuie sur la touche SUP de notre ordinateur et on a supprimé la partie de film qui ne nous intéressait pas. Nous disposons aussi d'un certain nombre d'outils pour pouvoir faire des modifications de films ou de photos. Sur cette barre, on trouve donc ces différents outils de réglage, de transition qu'on pourra évidemment choisir parmi un innombrable éventail proposé. On a une barre aussi pour réaliser des titres préexistants, des effets. On a aussi un certain nombre d'effets très importants qui est proposé. Ajouter éventuellement des musiques ou des bruits et des graphiques. On retrouve aussi ces réglages dans cette zone. Par défaut, on a le réglage général et les effets appliqués, mais il suffit que l'on choisisse un autre effet différent pour qu'il s'ajoute à la liste des outils à disposition dans cette zone. Un tout petit essai pour vous montrer les possibilités. Par exemple, sur ce morceau de film, c'est-à-dire entre les deux points d'entrée et de sortie, je veux réaliser, par exemple, un réglage. Cette zone de travail, il suffira de faire retouche optimisée, de dire « appliquer ». Et là, j'aurai une réponse de savoir si une retouche est éventuellement nécessaire. Si je veux rajouter des couleurs, là ce sera un petit peu différent. Je vais choisir une couleur, par exemple, bleue. Et tout de suite, l'écran me propose l'intégration et le rendu de cette solution. Bon, tout ça, nous le verrons après. Au niveau des effets appliqués, évidemment, vous avez des choses un peu plus traditionnelles, l'opacité. Un fondu à l'ouverture, c'est-à-dire un fondu à partir de cette zone d'entrée. Un fondu à la fermeture, c'est-à-dire un fondu à la fin du film. Bien, nous avons fait un petit tour des possibilités de ce logiciel. Et maintenant, nous allons entrer dans le détail en faisant des exemples d'applications.